pilote de Montélimar. Alors qu'à la deuxième position, on va retrouver Hugo De Cancelis, pilote pour le club des Anglais. La troisième position sera prise par un pilote à surveiller, Max Beaumarchand de Draguignan. Et la quatrième position pour le pilote 01, il s'agira à la nouveau Justin Chaillon de Pépé Bravo. Série numéro 30, Benjamin encore et toujours avec Plante Jeunet. Il y a Bondu, Vélas, Vincent, Bedel, Saleil, Massa et Garrido. Et quatre pilotes se sont détachés du reste du peloton. Le leader actuellement est porte le numéro 45, c'est Matteo Saleil, pilote de Torbillon. Mais attention, ça a changé puisqu'on est bien revenu, bien sûr, avec Maxime Bondu, le cavaillonnet qui a pris la tête des opérations. Tandis qu'à la troisième position, on va retrouver le numéro 66, Jeuette. À la deuxième position, on retrouve Augustin Chaillant des Pays de Mirabeau. Troisième place pour le 70. Il s'agira de Benjamin Ayard de Tarascon, mais on est superbement revenu là dans les derniers mètres pour Carpentras avec Tessa Martinez, la demoiselle. Race 30 avec Plante Jeunet, Mondu, Veillaz, Vincent, Bedel, Saleil, Massa et Garrido. Et on voit le jump, le leader, sous les couleurs et bien de Cavaillon. Maxime Bondu est à la première position. Juste derrière, on retrouve pour Frontignan, et bien Lucas Vélas. La troisième position est actuellement occupée par le numéro 66. C'est Sacha Augustin Chaillon des Pays de Mirabeau qui termine troisième. Race 30, catégorie des Benjamin toujours. Avec les clubs de la gare de Cavaillon, Frontignan, Tarascon, les Pays de Mirabeau et Carpentras, représentés par les 8 pilotes de cette série numéro 30 des Benjamin. Le leader actuellement, c'est un cavaillonnet, il porte le numéro 90 et il a déjà remporté les deux premières manches qualif. Monsieur Maxime Bondu est en tête dans ce second virage, alors qu'à la deuxième position, on retrouve sur les couleurs de Frontignan, Lucas Vélas, la troisième position pour Cavaillon. Avec le numéro 67, Guillaume Bedel, mais attention, ça attaque sur les couleurs de Cornillon. À la quatrième place, Cornillon quatrième avec Matteo Saleil. Et on est revenu avec le 66, peut-être même pour la troisième position, voilà qui est fait.